PME historique de la ville du Havre. Plus de 110 ans d'ancienneté et d'expérience dans la commission de transport et la logistique, plutôt contractuelle. Environ 70 salariés sur 3-4 sites, principalement un site d'opération au Havre sur la commission de transport et en douane, et un site de logistique dans la région lyonnaise, et un site à Paris et à Mayotte commercial. Nous passions beaucoup trop de temps chez De Ruyter à affréter les transports. Quel transporteur peut faire, à quel prix, dans combien de temps. Et nous avions un planning papier, donc très peu de choses informatisées, et les quelques éléments qu'on trouvait en informatique étaient éparpillés dans un système un peu partout. Du coup, très grosse perte de temps, beaucoup de recherche. Donc le CRIT a pensé à une solution totalement informatisée qui nous permettrait d'avoir tous les éléments au même endroit avec une recherche facile, rapide et la plus automatisée possible également pour permettre aux équipes et à toutes nos ressources humaines d'être occupées plutôt pour des choses qui ont de l'intérêt. Il a su comprendre notre problématique du premier coup sans aucun problème. Le CRIT a également su nous trouver des idées pour l'amélioration. Et ce qui a été appréciable, c'est également et surtout le faire l'intermédiaire entre nous, qui sommes du métier de la logistique et du transport, et le développeur informatique. Parce que nous avons deux métiers bien distincts et donc des langages aussi bien distincts, donc pas toujours facile de communiquer. Donc le logiciel est en place, il est performant, innovant. Il nous permet d'avoir un planning de travail donc totalement automatisé où on trouve toutes les informations au même endroit. Et nous parlons beaucoup de statuts. Il y a plusieurs statuts selon la vie d'un transport en fait. Et en fonction des statuts, le logiciel fait beaucoup de choses, travaille seul en fait. Fait beaucoup de choses seul en voie d'email automatique, donc un gain de temps précieux.